Notre Moi, promotion va tac, ça me commencer, sauve. James. Ah, attention, on va voir la surprise. Enfin, il y a trop de problèmes dans cette ville en ce moment, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais... Zelate. Attention, les gars. Wouah! C'est beau. Oh putain de sa mère. Plein milieu comme ça, c'est pas mal, non? Il est beau, il est beau. Eh bah mon salaud. MZ Convoyeur. C'est ton numéro ça? Bah, 022 oui. 4601. Bon, je vais vérifier quand même que le sérigraphie a pas fait. Ah non, c'est bon. Putain, j'adore ça là, le MZ Corporation là. Ça c'est beau ça. Moi ce que j'adore c'est ça là, le petit texte là. Le quoi le. Warning MZ Courier Staff. Soit armé et autorisé à utiliser leur. C'est quoi leur, leur, leur. À utiliser leur arme leur de arme manière à tuer les gens. C'est bien ça. Pour. Ready force for. T'es sûr que ça veut dire ça? Ouais, je te fais comprendre. Oui, exactement. Nickel, oh là 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 là. Bon, tu feras attention, ah, c'est du Unleaded, hein. C'est du Surplomb 98, hein. C'est le site que t'as fait, ça? Ben oui! mzcorporation.wixsite.com. Ah bah, tiens, Oscar! En fait. Je présente le nouveau bolide. Le site est fonctionnel, par contre. Le site est fonctionnel, il existe vraiment. Il existe vraiment sur, sur Google. Enfin, sur Internet, quoi. Putain de. Oscar merde. A l'air d'avoir perdu sa voix. Ça va, Oscar? Je suis en train de lire. Hein. Convoyeur. Est-ce que vous voyez le jeu? C'est le magnifique. Est-ce que vous voyez le jeu de mots? Enfin, est-ce que vous voyez? C'est même pas un jeu de mots. Est-ce que vous voyez le mot convoyeur et MZ en même temps? Ah ouais, ouais. Je peux pas l'appeler, c'est moi qui bossais dessus. Ah, il est bien. Quoi. Vous êtes bien équipé maintenant. Ah bah là. Ça, c'est pas pour faire du garage, hein. Je te le dis tout de suite, Oscar. Hein. C'est. Attends, oui, c'est pour faire quoi? C'est... Alors, en fait, tu sais, je suis PDG de la société MZ Corporation qui gère MZ Garage et cette nouvelle société MZ Convoyeur. Et en fait, c'est du transport de fonds. Ah. Eh oui, mon petit Oscar. Voilà. MZ Convoyeur. Blindage 50 mm. Je peux vous dire que c'est la bonne fesse, ça. Hein. Putain, mais si on sent en mauvais âge, je vais pour vite, hein. En fait, si on n'est pas en sécurité. Je peux pas trouver les portes Oscar pour des raisons de sécurité, mais. Si on n'est pas en sécurité chez MZ, on peut se mettre dedans, quoi. Ah, et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça, hein. Qu'est-ce que tu branles? Ah, je suis le pas roi le faire, je suis encore un stagiaire. Oh le con. Non, vous, non, Oscar, vite, vite, vite. Vous allez, il est très très vite. Bon, voilà. Bon, les vides sont teintées, hein, donc inutile de regarder, hein, Oscar. Je te vois, hein, essayer de regarder pour voler les billets après. C'est déjà pas mal. J'en ai pas besoin. Hyper stylé. Eh ben, tu sais quoi, on pourrait faire de la proscription. La. Oh, merde, comment on appelle. La proscription. Oh putain, j'ai un problème de vocabulaire. La. Du prosc. Oh, putain, merde, c'est quoi déjà le mot? La prosc. Ah oh, putain. Proxénétisme? Mais non, il est con. La pros. Bref, on pourrait aller chercher des clients avec ce véhicule, hein. Non. Non, pour des questions de sécurité, y'a personne qui rentre là-dedans sauf le staff. Oh. Oscar! Ah, derrière. Non, t'es une fou. Non, c'est pas mal. Pour l'instant, non. Puis même, hein, si t'as une voiture à accidenter, camion blindé, c'est efficace. Hein. Bah, ouais, je veux bien te croire. Je peux essayer? Bah, toi, oui, mais tu fais pas. Faudra dire à Dom de faire monter personne là-dedans. Hein. Ah, bah, oui, c'est certain. Faut encore qu'il passe de. Oh, regarde, au-dessus là. Devant. C'est peut-être l'explosion qu'il y a eu, ils sont peut-être en train de filmer ah. Ça. Ah bah, on va passer à côté d'eux. Oh putain, oui, c'est en face. Vas-y, crie, crie, crie. Oh putain. Non, 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 comme ça, ils nous voient de loin. Il y a les journalistes devant. Attends. Bon, je me gare à gauche, puis on prend de l'essence ou quoi on fait? Ouais. Je me gare où là? Bah, en fait, t'as du liquide, t'as combien sur toi là? J'ai à peu près 1 300 $ ce mois. Hein? Oui, mais bah. Tu te bases avec une mallette, toi? Non, en fait, ça me réchauffe les poches. T'es coincé du cul, hein, Carlos, hein? C'est pas possible, ça. Il faut penser là, au côté marketing. Allez, fais le plein, là! Fais le plein! Le marketing, tu connais? Attends, je m'en occupe. Ah, tu lâches ton bidon, toi, maintenant? Bah. Ouais. Ça. C'est un peu une pompe à essence, hein. Le but, c'est de pomper, hein. C'est toi le pompe.
Bon, attends, je te dis où on est au niveau du niveau. Ouais, s'il te plaît. Ah, c'est naze. C'est naze ton bidon. Ah merde. Ton bidon il m'a rempli de 3%. Donc, Oh merde, qu'est-ce que je fais là? Putain, j'ai l'impression. Monte à l'intérieur et tu vas. J'ai l'impression de cibler. J'ai l'impression de cibler un toucher rectal. Matt, arrête ça. C'est bon, j'adore les mimes. Attends, je vais regarder l'état. Ah, c'est bon, Matt. Nickel. Ah bah, tu vois. 100%. Comme quoi, mon travail a porté ses fruits de mimer un toucher rectal. Bref, oui, passe devant l'accident là. S'il y a Voisin News encore, il faut absolument qu'on ait des images de notre camion. Ça va être super. Ça va être énorme. Oh putain. S'ils sont partis, je te vire. D'ailleurs, ton ballon là-haut, tu remplacerais pas MZ Garage par MZ Convoyeur. Pas MZ. Oh, garde. Pousse-toi, avance. Bon bah, griffe rouge maintenant. C'est vert en plus. Attention. Putain. J'ai l'impression qu'il est déjà sale notre véhicule. Ah, un flic aux cheveux verts. Tu m'as dit quoi à propos du ballon? Ah, mais là je vais pas pouvoir tourner là maintenant. Mais si, tourne, mais arrête de te prendre la tête, tourne. Voilà. Nous on va faire la circulation. Attends, Voisin News est juste au-dessus de nous. Ah, bah y'a mon camion aussi. Mon ballon, pardon. Magnifique. Ah oui, y'a ton ballon. Attends, faut que je prenne un screen. Je vais prendre des photos avec mon téléphone. Magnifique. Téléphone. Voisin News. Nous sommes en dessous de. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je cherche pour vous? C'est Dominique camion. Qui est par terre là-bas. Hein. MZ. Ça passait pas bien, je sais, on sais rien. Dominique en fait. Dominique? Ouais. Oui, Dominique. Accident? En fait, je sais pas, y'a personne qui parle. Ah merde! Ah. Oh putain, garde ton véhicule, Carlos. Attends, bouge pas, je prends un gilet jaune. Attends, ouvre-moi, Carlos. Ah bah, système de sécurité. Oh là là, c'est insupportable. Allez, c'est bon. Action métier. Merde, je me suis trompé. Oh, c'est. Mon gilet est dégueulasse. Oh là 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 là. C'est Dominique ça? Il va pas mieux? Bonjour officier. Oh putain de merde. Chambre ses épaules. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel bordel. Reste avec nous dame. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une explosion de véhicule. Et donc on a fait un permis de sécurité, les civils sont devenus fous et voilà, carambolage encore une fois. Oh putain. On a 3 personnes à terre. On fait notre possible pour réagir. Hein. Putain, Dominique, tu nous entends? Dominique, les pompiers sont là. Hein. Ah merde! C'est Dominique? Oui, c'est Dominique ça. Monsieur Merguez! Vous entendez, monsieur Merguez? Oh merde! Et puis là, il y a quelqu'un de sentence à côté. Oh yo 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 yo. C'est pas possible ça. Ouais, c'est 56 sur place, hein. Mais pourquoi les pompiers s'occupent pas de lui? Intervention, s'il vous plaît. Bonjour les gars. La police, si vous pouvez vous occuper des charognes, s'il vous plaît, qui... Ah la vache. Ah, alors, Dominique, on va vous mettre un petit médicament, ça va? Allez, écoute. Ouais. Mais... Vous allez tout de suite vous sentir mieux. Ah. Ah, et on va vous placer un collier. Ça va? Ah, ouais. Le collier va permettre à ce que vous bougez sur ouais, la tête. Oui, Mathieu, faites le passer. Oui. Hein. Ouais. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Ça va. Ça, non, pas trop. Ce sera. Pas attends, trop. Non. Prenez à vite savoir s'il a d'argent. Hein. Je te ramène un pompier là parce qu'il n'y a personne qui est autour de toi. Ouais. Il est où, vas-y. Officier? Enfin, pardon, que je raconte.
Ouais, salut Matt. Ouais, Chris, salut, excuse-moi. Je suis. Y a personne qui s'occupe de Dominique, là, il est à terre là. Où ça? Ok, monsieur de la Centrance, vous allez être pris par les pompiers, les autres. Il est juste ici. C'est qui là au sol? C'est nouveau ça. Il est juste là. MZ? C'est ça? Vous me confirmez, il y a quelqu'un ici à votre. Non? Il y a personne là? Les convoyeurs. MZ convoyeur. Si, Matt, t'es sur ses pieds là. Ah! Il est là-bas. Dominique? Ah merde! Hein? Ça va? Problème de synchronisation. C'est qui? Mais je m'entends? C'est Boscorelli. Ah putain, c'est gênant. Il faut vraiment que tu marches à tes nœuds. Moi aussi. Tu vas être en retard pour rendez-vous? Putain, problème 5. Dominique, c'est celui qui me semble prioritaire. Ouais, ça marche. On s'occupe de toi, Dominique. Dominique, tu m'entends? On va te récupérer, t'inquiète pas. Bah, donne, je vais le conditionner au transport, occupe-toi peut-être d'MZ. Ah, oh, y'a un autre mec là-bas. Ok. Descas, tu m'entends? Putain, oui. Pas obligé de crier. On hein. va te prendre. Ah, bonjour, monsieur Wozel News. Je vous ai vu, hein. Oh tiens Matt, c'est un gros... Je suis caché dans les fougères, laissez-moi. Ah monsieur Bond, aussi. Eh bah dis donc, je vois tout le monde. Bonjour. Bon monsieur Zepol, vous avez vu ce qui s'est passé? On vient d'arriver malheureusement, on vient d'apprendre l'accident. C'est un gros carnage, c'est encore ces flics là, ils ont dû faire une connerie parce que... Carlos. Tout le monde était bien en place, c'est un coup de feu et 9 voitures qui se mettent à forcer les barrages, enfin, des personnes qui se sont roulées dessus, c'est un... Bonjour à toi l'ami. C'est un vrai massacre. Je vais à blesser. Merci James, bon courage. C'est vrai que ça pleut un petit peu. Bah... Péter notre pare-choc, vous imaginez? Notre pare-choc. Bah ouais, ça craint du boudin. Eh, monsieur Chippé, c'est compliqué de vous voir. Ah bah oui, c'est très compliqué de se croiser. J'ai voulu venir vous voir, on m'a volé ma moto. Y a mon collègue qui est venu me chercher et hop, intervention ici. Bah ouais, on a fait 2 mètres. C'est un peu la merde en ce moment là. On trouvera bien un autre rendez-vous, monsieur, bon, vous inquiétez pas. Monsieur JP. Non, vous inquiétez pas, c'est possible. Oui. Si vous avez l'occasion, il y a un véhicule tout nouveau là-bas. Il s'appelle MZ Convoyeur. Si vous voulez le prendre dans le plan de l'intervention, là, ça pourrait être très sympa. Ça serait surtout un petit coup de com, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous fais un petit. Bah attendez, venez avec. Si vous avez 2 secondes, venez avec mes collègues. Parce que, si vous voulez, j'étais sur le retour là, j'ai un problème avec ma femme. Quoi? De Bruce, Nico. Contrôle la situation, oui. Vous inquiétez pas. Sur Peterson. Je suis un salaud. Ah, qu'est-ce qu'il veut Robinson? Je suis un gros salaud. C'est Peterson. Dites, bonjour monsieur. Est-ce que vous étiez en vol au-dessus quand il y a eu l'explosion? Non, mais mes équipes y étaient. Pardon? Attends, d'ailleurs, je reviens. Mais une de nos équipes y était. Bah oui. Bonjour. Est-ce que votre hélico a vu l'explosion? Les circonstances? Non. C'est qui? Non, malheureusement. C'est qui volait. Monsieur, bonjour. Est-ce que je peux vous aider? On est sur une intervention. Vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça, dis donc. Je vais essayer de traiter quand même les images pour voir si j'arrive pas. Bonjour, monsieur le gouverneur. J'entends très mal. Ok, merci. Avoir fait quelque chose, monsieur le gouverneur. J'ai vu le camion. Ce gouverneur. Camion à l'arrêt. Le gouverneur. Désolé, lieutenant, j'étais en train de l'engueuler, excusez-moi. Il vient scooter. J'ai du camion. Il commence bien, camion gouverneur. Ah bah, dommage, monsieur le préfet. On est assez dans un accident. Oui. C'est le gouverneur qu'il doit passer outre les lois. Vous voulez que je fasse ce qu'il faut? Vas-y, Nico, prends des photos, c'est pour notre partenaire. Nico, mais du coup, oui, il est parti. C'est... Nico, je prends des photos. Stagiaire, ah. Nico. Merci beaucoup, messieurs. Oh. Non mais. JP de stagiaire. Oh, putain, stagiaire. Gouverneur. Explosion. Ah. Vous l'avez entendu? Encore? Faut pas que le gouverneur l'entende. Encore une. Bah attends. Prends des photos du fourgon là, c'est pour notre partenaire. C'est une catastrophe cet accident, monsieur le gouverneur. C'est vraiment. Et nous, on était. On s'est pris. On est dans le carton, mais enfin dans le carton. On est dans l'accident. Hein. Monsieur le gouverneur? En fait, il s'est passé quoi? Oui. Bah, si vous voulez, j'étais sur Zod, bah, je peux vous raconter vite fait. C'est. Vas-y. Un véhicule qui était sur le toit, les pompiers ont mis un périmètre de sécurité, quelques agents de police bloquaient la route. Bah, bon. C'est un secteur assez accident. C'est pas le moment qui vient en fait. Puis un agent de police a ouvert le feu, visiblement, il y a eu une détonation. Ce qui a engendré un mouvement de panique, 6 véhicules ont traversé les passages et plus de 9 personnes ont été. Enfin, maximum 9, mais au moins 6 à 9 personnes ont été écrasées par les véhicules. C'est un vrai carnage, malheureusement. Ah oui. Pourquoi je tag Zoran? Dites-vous, en effet. Pour vous dire la gravité de la situation, même Weasel News n'a pas filmé, nous étions occupés à sauver les victimes. C'est un raid de Zoran? Ah, comme quoi, des fois vous êtes des héros aussi. C'est Zoran qui raid? D'ailleurs, si vous avez pas si vous avez une médaille du mérite ou autre qui vous traîne au sous le placard. Nico, vas-y, continue, Nico, vas-y, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Fais des mouvements rapides autour, voilà. C'est filmé, c'est des photos. Je présente Nico, stagiaire à Weasel News.
Ah, j'ai vu ça sur Twitter hier, je crois que j'ai vu ça. Ben va mourir, mais non, il va pas mourir, j'en sais rien en fait. Non, il est conscient. Effectivement, on en a parlé sur Twitter. Bonjour monsieur. C'est un bon petit gars, il promet. Bonjour monsieur Bon. Monsieur Paul. Je m'en vais si je vais faire envoyer parler. Je vous dis ça comme ça, mais on est en train de développer un nouveau système de publicité. Je lui donne de l'argent. Ça va, Rondi ? On commence une nouvelle saison. Y a des écoute, je joue mon nouveau bolide hein, là pour attirer les femmes. Si vous voulez une petite pub pour. Attends, je peux monter à côté de toi pour prendre un covoyeur. Pour les questions de sécurité, je peux pas malheureusement. Voilà. Vous avez compris ? Ah merde. Merci beaucoup pour les photos. Oui, ça marche. Ça va nous aider. Bruce, j'ai signé un contrat, Bruce ! Non, non, non ! Ouais, t'aurais eu droit à une prime, toi. Non, mais c'est pas un contrat. Oh là 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 là. Ah pardon. Bruce, j'ai pas signé le contrat mais pareil. Tu me déçois, JP. Alors Nico, tu me prends des photos et tu me les enverras, on va en parler sur Weasel News. Et tu me fais un petit article aussi. Ah super, c'est très gentil à vous. Ouais, je m'occuperai de. Ou là peut-être qu'on s'isole. De rien, monsieur Zépol. Peut-être qu'on voulait qu'on. Ça me fait plaisir, clin d'œil. Ah oui bah. Merci beaucoup, je vais. On va y aller nous, on va quitter cet accident parce que là c'est. On est en train de bloquer toute la rue en plus. Merci encore hein. De rien, merci pour tout. Monsieur Bond, Nico et Bruce, on pourra rendez-vous plus tard peut-être. Ouais. Ouais bah ouais, bon, pour l'instant j'ai pas de véhicule, je me suis volé ma moto devant la police station. Ah bah appeler un taxi. Ouais. Bah il n'avait pas donc j'avais demandé à mon collègue Rémi de venir me chercher et dès qu'il est venu me chercher, ben il y a eu des explosions, donc on a fait 2 mètres. Je crois qu'il loue des vélos là-bas. Juste au bout de la rue. Oui non mais à la base j'avais mon collègue qui était venu hein, mais. Ah bah oui. Bon, mais il y a eu les explosions ici. Bah non mais j'entends bien. Quoi. On fera ça une autre fois parce que là c'est pas vraiment le bon moment je pense. Un peu je vous tiens au courant. Bonne soirée à vous monsieur Bond, au revoir. Merci à vous aussi. Ah Carlos, la porte. Vas-y. Ah là, mon dieu. Donc Dominique on va reculer non du coup. Ouais vas-y fais une marche arrière. On attend. Non vas-y fais une marche arrière. Bah du coup ils emmènent Dominique à l'hôpital. Bah c'est quoi alors? Une explosion apparemment et plusieurs véhicules impliqués. Je pense qu'il a été projeté Dominique j'imagine. D'ailleurs pour vous avez un message Oula. Un appel. Ouais. Le téléphone il sonne là, mais. Oh putain! Et Carlos, c'est ton téléphone! Vous devrez changer votre sonnerie! C'est qui, Cab? Par rapport à l'anniversaire de votre nièce. Officier, on peut vous aider? Oui, faut que je vois immédiatement monsieur Rodriguez. Ah! Oh putain, s'il vous plaît! Oh putain! Vous avez filmé ça, monsieur Rodriguez? Profitez-en, il est shooté. Ouais, on pourrait peut-être même le violer si vous avez de la chance. C'est pas drôle. Ça, s'il vous plaît, officier, laissez-moi attends. Oh mon dieu. Oh, ok, vas-y, allez, qu'est-ce que tu veux. Ouais, je te suis. À l'arrière, bien sûr. À l'arrière? Ouais, j'aurais pas proposé ça, mais bon. Ouais, attends, je vais aller voir c'est ça. C'est comme ça qu'ils font la police maintenant. C'est bizarre. Ouais. Matt, il veut me noter. Et pourquoi vous voulez l'arrêter, monsieur l'agent? Pourquoi je veux m'arrêter Ne me regarde pas. Bah, si, tu c'est mon. Contre le capot. C'est mon salarié, monsieur. Quoi? Je voudrais savoir ce qui se passe. Alors, je sais que je suis à moitié shooté, mais quand même, quoi. Je suis. Oula, monsieur l'agent, calmez-vous. On circule. Vous rentrez dans la voiture. Il est où Carlos? Matt, il s'est passé quoi? Je sais pas. Je filme. Attends, je vais le suivre. Là, ça fait des preuves là. Ah, mais non, c'est. Putain. C'est quoi cette merde? Attends, va éteindre les phares. Putain, il est parti où?
Putain, elle est déjà partie. C'est quoi cette merde? Attends, je retourne à MZ, je l'ai perdu du... Ah, attends, il y a une voiture qui brille là-bas. Je suis sûr. C'est hyper bizarre. Hein? Attends, j'appelle la police. Putain, qu'est-ce qui se passe? Téléphone. Putain, Carlos, t'es où? Oh putain, il s'en va. C'est quoi cette merde? Je suis en train de me poser plein de questions. Il va aller à la police station. Je double, hein, je m'en fous. Hein. Je fonce, je m'en bats les couilles. Ah putain, une voiture de flic à gauche. Comme par hasard, il grille pas le feu rouge. Oh putain, Carlos. J'ai besoin de toi. C'est possible que ça soit un film. Et grave, Zekos. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils sont en train de branler? Téléphone. Vite, police. Précise votre urgence. Enlèvement. Ils vont venir tout de suite, la police. La police va venir. Ça vient de tirer, là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vite! Faut absolument qu'il monte. Avant que les flics arrivent. Dépêchez-vous, du coup. Officier! Là-bas! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Monsieur Bosco Aurélie qui vient de kidnapper mon collègue. Mon collègue Dominique, il vient de le braquer tout au-dessus du bâtiment là. Il l'a kidnappé avec son arme. 686, besoin d'unité supplémentaire, Vespucci Boulevard. Il vient de monter à l'instant au-dessus là. J'étais caché. Je les ai suivis depuis le début. Réitérez, qu'est-ce qui a enlevé qui? Monsieur Bosco. Dominique. A été enlevé par Bosco Aurélie? Oui, Bosco Aurélie, oui. What the fuck? Mais c'est quoi cette merde?
55 Vespucci Boulevard, 1031 417. Quoi? On prend rien. Ah, je l'entends, c'est pas drôle. Putain, je suis inquiet là, il l'a kidnappé cet enfoiré. Mais si on met le pare-balles. Il nous a braqué en plus cet enfoiré de flic là, c'est quoi ce mec? Oh désolé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, il est venu au garage. Ouais, restez pas devant, restez excusez-moi. Pas devant. Mettez-vous à couvert monsieur. Oui. Il est venu au garage, et il a dit je vais te voir Dominique, il l'a braqué, il l'a forcé à monter derrière. Et après ils sont venus jusqu'ici, il est monté au-dessus, les deux. Après il a tiré aussi, il a tiré en l'air. Je sais pas pourquoi. Il a tiré un coup de feu. On a entendu le coup de feu. 686, besoin d'unité supplémentaire, Vespucci Boulevard, code 3, demande c'est renfort, bon, ça. Gilet pare-balles requis. Ah c'est bon, j'adore cette action. What the fuck? Il a pété un plomb. Ok, a priori il serait passé au niveau de l'échelle là. Ouais je confirme, je confirme. Là il serait... Oh c'est épique. Oh putain y'a tout le monde. Ah j'ai un doute que c'est quelqu'un moi. J'ai un doute. Oh, j'espère qu'il va pas le tuer, putain. Oh, l'enfoiré. J'ai été appelé en urgence. Oh, oh coup de feu, coup de feu, coup de feu. Ok, on passe, progresse. Matt. Qu'est-ce qui se passe, Matt? Il y a l'officier Bosco Reilly qui a kidnappé Dominique. Je les ai suivis, ils sont montés au-dessus, là-haut. Il l'a braqué avec une arme et tout, mec. Merde. Ouais, il y a des coups de feu. Yeah. Ils sont là-haut, là? Ils sont là-haut, oui, au-dessus du bâtiment. Zekaos, ce drama, merci Zekaos. Je t'ai pas remercié en plus juste avant, je suis désolé. C'est quoi ce bordel? Vite. Moi je vais filmer. Je pouvais pas rouler comme un dingue, il y avait un flic. Non mais y'a pas de soucis, t'excuse pas. J'ai pris la voiture en plus. C'est un truc de ouf. Je fais un 4x4, hein, que j'en ai foutre. Putain, je comprends pas ce qui s'est passé. La première bagnole, j'avais sous la main. Faut appeler le pompier là. Appeler le pompier au cas où si. Faut appeler le pompier maintenant. Appeler le pompier. Ouais, j'appelle. Faites un appel. Dépêchez-vous, restez à couvert, hein, c'est bon, je suis là. Dis-lui, risque de blessure par balle. Là, ton... Oh putain, c'est un truc de ouf. Dominique! On sait pas encore ce soir que je vais pouvoir l'engueuler. Je vois rien moi de là-haut. Ah bah on a aucune visibilité. Non, on n'a pas de visibilité. Restez bien à couvert. Oh là 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 là. Putain, il est venu au garage, il nous a braqué. Ah, vous êtes là monsieur Boris? Ouais, j'ai entendu. Vous avez pas votre hélicoptère à distance là? Messieurs, restez. Merci. Messieurs, restez cachés, s'il vous plaît. Ah merde! Éloignez-vous! Ouais, du coup, je les ai suivis, ils sont arrivés juste ici. De rater. Il s'est passé quoi? Éloignez-vous là. On recule, on recule. Mon dieu, mon dieu! Éloignez-vous. Mon dieu! Éloignez-vous. Il est tombé! Hein? Il est tombé? Il est juste là, il est tombé! Il est où? Ouais, il est là-bas. Je suis pompier. C'est qui ça? Officier? C'est Bosco Reilly, c'est l'officier Bosco Reilly. Oh bah je le touche pas, je m'en bats les couilles. C'est un suicide, non. Vous dites ça à un officier. Non, je... Ouais. Matt, arrête. Fais pas le con. Allez, officier. Non mais il a braqué mon collègue. Putain, c'est qui? Que j'en affiche. Oui, oui, non mais on s'en fout, il est en tol. C'est l'officier Bosco Reilly. Le but c'est de le sauver. Non, il faut savoir pourquoi il a fait ça aussi. Hein. Oscar, recule. Officier Bosco Reilly, est-ce que vous nous entendez? Y'a les pompiers qui arrivent. Officier Bosco Reilly, est-ce que vous nous entendez là? Monsieur Bosco Reilly. Putain, la chute. Moi, je vais dire, on va laisser vos collègues travailler. Il a encore son arme avec. Ouais, ouais. Oh là là là. Ouais, je vais lui prendre ses armes. Il a sauté de tout là-haut là. Putain. Qui ça? L'officier, il est ici, les gars. C'est l'officier Bosco Reilly là. Messieurs, on a aussi une personne en haut attendez, du bâtiment. Attendez, stop, bah il faut appeler l'échelle alors.
Bah, il y a une échelle pour monter sur le côté. Oh. Ah, l'échelle elle sera pas. Je demande au lieutenant. C'est à plus de 30 mètres. Et si où je le veux, mec si je veux pas. Il est ici à mes pieds. Je sais pas si vous voyez. Ah. Négatif. Ouais, de toute façon, il vient de faire une chute de plus de 40 mètres. Hein, Palmer. Ouais. J'ai besoin d'un EMS sur le toit là-haut. Hugo, salut Matt, t'es un pas EMS content d'être sur le toit. Désolé, ouais, y'a un blessé. La dernièrement, super live encore. Y'a pas de soucis, Hugo. C'est moi qui dois te remercier. C'est moi qui dois te remercier. À l'échelle. Ouais. Mais il est mort. On est établi un périmètre de sécurité. Il est à plus de 30 mètres là. Il est dans le temps. Putain, Boscorelli. Mon dieu. Ok, il faut. On était mis un permis de sécurité. Hein. Je crois qu'il a tous les os pétés là. Monsieur les épaules, écartez-vous. De 15, mise en place des véhicules pour cacher le cadavre de Boscorelli. Pour cacher le cadavre. Heureusement que je vous ai suivi. T'as heureusement que tu les as suivis, Matt. Hein. Grave, mec. J'ai coupé mes phares. Matt, tu me suis. Oui, pas de soucis. Rapidement. Putain. Mais je crois. Tu montes, il y a Dominique qui te demande en haut. Oh putain, ouais, ok. Vas-y, monte rapidement. Monte tout en haut. Oh putain, pourquoi moi? Putain, c'est clair, heureusement que je les ai suivis. Mais sans déconner, qu'est-ce qu'il allait foutre? Il allait buter Dominique? What the fuck? Il est taré. Il aurait fait ça, je pensais qu'ils étaient potes en plus. Il y a des trucs super chelous. Moi j'ai pas à me casser la gueule. C'est ça les. Ouais. Oh! Des suffocations par moment. Ouais, je suis là Dominique, ouais. Je suis là. On m'a demandé de monter. Ah, suis... Matt, t'es là. Ouais, je suis là, je suis à côté de toi. On va demander. Rassure, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. On va s'occuper un peu, monsieur Zeppel. Oui. Pas on va laisser travailler. Pas de soucis. Vous êtes aussi. Ben, dis-moi, t'as les échevelures. Non, c'est mes docs de l'hôpital. Voilà. Enfin, il m'a donné un petit coup et je suis tombé. Je pense, passe-moi. Je sais plus, les médocs de l'hôpital, tu sais, pour calmer les douleurs là. Non mais là il a fait une chute de 40 mètres. D'accord. Ok. Pour nous. Et on m'a demandé normalement. Enfin. Ça c'est de mort RP direct. Le Boscorelli m'a donné un coup. Voilà, je suis pas bien. Pas bien. Ok. Puis, okay, m'a perturbé aussi. J'en tremble un peu le fait qu'il est. Enfin, voilà. C'est pour ça que je t'ai suivi Dominique. Je t'ai demandé un support au MS. T'inquiète. Je t'avais vu arriver. Okay. Ça m'a rassuré, ouais, je t'avais vu arriver. Lui, il a pas fait peut-être gaffe. Palmer. Ouais, Palmer a. Putain, oh là. Palmer. Oh, ouais. Je suis pas bien. Boscorelli est. Neymar. 10 euros, tu sautes. Rêve, Louis. N'importe ouais. Quoi. Même 1000 balles, je saute pas. J'aurais besoin de si tu veux mettre ce toit, si tu peux prendre l'accès vers l'escalier, s'il te plaît. Oh, c'est chier. Pardon, excusez-moi, Chris. T'inquiète. Du coup, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Il y a Waller qui monte avec le sac premier secours. Ça, c'est pas le. Ouais. Oui. D'accord. Oui, je vais. Pas de soucis. Ouais, je suis à côté, Dominique, hein, t'inquiète pas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous explique, il y a Dominique qui a été hospitalisé suite à un accident, j'ai pas plus de précision, il y a deux jours ou hier, je sais plus. Vous étiez au courant, il y avait un carton pas très loin en plus. Explosion d'un véhicule. Carambolage. Ouais c'est ça, carambolage. Donc il a été hospitalisé. C'est ça, ouais. Il est sorti d'hôpital, il a eu quelques jours de repos, il est revenu en fait chez MZ. Il était complètement défoncé à cause des médicaments. Il revient. 5 minutes plus tard, il y a une voiture de police qui arrive, donc monsieur Boscorelli. Et dit Dominique, ils sont tutoyés. Hein. Dominique, faut que je te parle.
Dominique il dit non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Et il a forcé à venir. Et il l'a tiré jusqu'à son véhicule. À ce moment-là, l'officier a demandé à ce qu'il rentre dans le véhicule à l'arrière. C'est pour ça que j'ai pas compris. Je me suis rapproché pour comprendre. Et là, il a sorti son arme. Et il a commencé à le braquer en disant maintenant tu rentres. Et nous, on s'est tous inquiétés. Et il est rentré dans le véhicule. Ils se sont barrés. Moi, j'ai pris mon véhicule. Je l'avoue, hein, j'étais pas dans les lois. Il faisait nuit. J'ai coupé mes phares, je les ai suivis. Je les ai suivis jusqu'ici. Et après, je vous ai appelé. J'ai appelé pour un enlèvement et vous êtes arrivé 5 minutes plus tard, enfin même pas une minute plus tard. Et au moment où je vous ai appelé, okay. Ils montaient les escaliers. Je prends compte, le temps de gérer un peu tout ça. Oui. Le temps de... Voilà. Il n'y a pas de soucis. Très bien, merci pour votre déposition. C'est normal. Dès que tout sera calmé, on reviendra vers vous. Y'a pas de problème, je suis disponible, s'il y a moindre question, je serai là. Occupez-vous de Rodriguez, faites tout ce qui est en votre pouvoir également, vu que vous connaissez le métier. Bien sûr. Pour le sauver. Bien sûr. Et de savoir exactement ce qu'il a. Parce qu'a priori, il a l'air shooté encore. Oui, à cause des médicaments de l'accident. Mais en tout cas, suivant... a priori, il n'aurait pas eu un coup de feu. On aurait entendu un coup de feu, mais à mon avis, ça serait un deuxième coup de feu en l'air. Ah bon? Donc à confirmer, a priori. Donc Rodriguez a priori n'a rien, mais je m'avance pas, je ne suis pas médecin. Parce que en fait, quand ils ont monté les escaliers, je crois que l'officier Boscorelli, il aurait tiré en l'air pour qu'il se dépêche. Je pense, hein, j'étais à distance, un peu dans le flou, mais après, une fois sur le toit, je sais pas s'ils ont retiré, je sais pas. Vous étiez là à ce moment-là en plus. Ouais. J'étais là. Bon bah merci en tout cas, merci d'avoir réagi aussi vite. Oui, lieutenant. Il est mort? Eh ben, nom de Dieu. Ah, il est pas beau à voir. Il est. Détaché à l'île de là? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce qu'il est. Delta Charlie Delta? Oui, la cigogne, il y a certainement une RP là. Il y a Delta Charlie Delta là, ouais. Là, il s'est. C'est comme une crêpe, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais. Il y a du sang partout, hein. J'ai failli à la tâche. La hauteur vous fait pas peur? J'ai failli à la tâche. Comment? La hauteur vous fait pas peur? Vous avez fait ce que vous avez pu. Officier. Ça. Ouais, non, ça. Enfin, non. Bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Tu verras rien. Tout va bien se passer, hein, t'inquiète. Tu m'étonnes, je pense qu'on est tous un peu étonnés et choqués. Pourquoi cette situation? Comment on est venu arriver là? Je me suis. Il avait commencé à me. Je vais faire une recoupe pour l'ancrage. C'est le bordel. Putain, je suis. Non, ouais, y'a pas de ça me fait chier. Le faire descendre. Ouais, par le truc. Par le truc. Il n'a pas de blessure par balle? Négatif, juste un mal de tête. Ok. Ouais. Bon, je redescends, Descas. C'est le moment de faire Putain. C'est le moment de faire selfie. Je suis désolé, Dominique. Enfin, je me dis heureusement que je t'ai suivi parce que là. Cet enfoiré t'aurait buté quoi. C'est quoi tous ces gens qui pleurent dans les épaules des autres? Et ils commencent à me saouler, arrêter de nous appeler 10 000 fois. Ah, tout à l'heure on vous a appelé, en effet, pas mal de fois, il y a eu un malaise au garage. Ouais, mais bon, si on refuse une ou deux fois, faut pas essayer. Hein. Ah, en fait, on pensait que c'était un problème via notre réseau, en fait. Ouais, écoute. On a eu un problème de réseau au garage. Et là, c'était quoi, là, à ton garage, là, tantôt? C'est monsieur, un client qui a fait un malaise. Mais on l'a ramené à l'hôpital, du coup. Ouais, mais bon. Parce qu'on s'est déplacé pour rien. Bah, il était inconscient, c'est pour ça. Ouais. Enfin bref, heureusement que vous êtes venu. C'était le plus important en effet. Là, je peux te dire que je suis clair qu'il y en a marre hein, des appels. Ah bah après, c'est votre boulot. 15 pour 83. Non, parce que t'en refuses un, deux, et les gens ils réessayent 15 fois. Est-ce que tu peux dire à la Sainte Trans qui réouvre la voie de leur côté là? Parce qu'elle est inutilement fermée. Et à MZ Garage de garer leur véhicule ailleurs.
Ah ouais, je suis désolé. Moi je vais descendre pour réceptionner Dominique en bas, ok? Ça marche? Hein? De quoi? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il vient de mettre en place un treuil. Un treuil? Ouais, ils vont faire une descente. Reçu 24 EMS indisponible pour le moment. Dès qu'ils ont fini, ils viennent. Un treuil. L'échelle est passée haute, je crois. Il y a Waller. Oui. Oh. Il y a une si jamais quand vous avez fini ici, il y a une autre intervention derrière le concessionnaire. Apparemment, il y a un homme à terre. Ouais, c'est bien. Ouais, mais bon. Là, on est 4 et pour une manœuvre, on est obligé d'être 4. On va encore leur dire d'arrêter de sonner 10 fois. L'officier en bas décédé. Ouais. Putain. De 15 pour 24, faut stopper les appels UMS, ils en ont marre. Là. Oh, c'est quoi ça? Bonjour. C'est passé. Ah non. Putain. T'as déconné, Dominique, tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Et qui tu grimpes? Je... Bah, rendez-vous amoureux avec Ellie. C'est pas très non, drôle. Non, mais je t'expliquerai. Il s'est fait agresser par un officier de police. Bien, moi, je suis pas au courant de l'enquête. Hein. Ah, ouais, on va descendre par là. Ah, on vous a pas prévenu les pompiers? Non, on nous arrive plus. Ah merde, bon, je vous explique. En fait, l'officier Boscorelli a kidnappé Dominique, il est monté jusqu'au-dessus. Et l'officier s'est suicidé en fait. Il est détaché avec Delta en bas là. Quoi? Et. Mais en mieux, la police, putain. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Il m'a frappé avant de sauter. Bon, on va pas bien. Je suis pas bien. Ça va? Tom, tu vois avec lui pour faire. Vous faites mes points d'engrangé, on va descendre du côté échelle. Voilà. Ouais, pas de soucis. Bon, je vous laisse tranquille, Dominique. Je serai en bas. Je serai là avec toi. Oui, d'accord. Allez, bon courage, Dom. C'est solide ça. Merci. Bon, je t'explique ce qui va se passer. Oui. On va te descendre. Je redescends, moi, ça va. Ouais, pas de soucis. Voilà. Oula, j'ai un peu peur de tomber. Vous avez pas tapé le sac sur lui? Parce que Phil, j'ai encore mieux là-dessous. Tu vois, tu t'accroches. J'ai cru que j'allais me casser. C'est pas dangereux avec l'électricité. Bah dis donc, qui aurait cru? Et ça c'est des conduits de... Ça c'est de la ventilation. Si j'avais imaginé ça une seconde, putain. énorme. Épique. Ah. On va bien mettre ça. Tout va bien. Système en tension, vérifié par un futur. C'est pas possible. Putain de merde. Tout va bien. J'ai juste une fracture ouverte au niveau du genou droit. Rien de grave. Vous êtes blessé je viens de faire une petite chute là. Je sais pas si j'ai quelque chose de cassé. Ah putain de merde, c'est pas possible. Waller, il y a M. Zepo qui se serait cassé la gueule. Je suis désolé Waller. Je viens de tomber de l'échelle là. J'ai pas mal mais je vois que je saigne du genou putain de merde. C'est la journée de la compréhension. Je suis désolé. Je vais te mettre un petit pansement. Ouais, je peux marcher là, y'a pas de soucis. Il te faut juste un petit pansement. Ouais, un petit pansement de couleur. Attends, mais j'ai tout dans mon sac. Viens un peu. Ça va pas trop dur la descente. Ah, ça va. Il y a des treuils. What? Hop, voilà. Les poubelles. Tu veux que je m'assois sur la poubelle? Ouais, soulève ton petit pantalon. Vas-y. Hop. Attends, je m'assois dans le carton. Attends, je vais peut-être passer sur la poubelle. Vas-y, pousse pas encore un petit peu. Je passe sur la poubelle. Vas-y, assis. Nickel. Oh non. Je suis assis dessus. Vas-y. Bon. Vas-y, enlève le pantalon. Je désinfecte. Par contre, j'ai pas mis de slip. Hein. Je désinfecte. Je te remercie. C'est la biceptine? Bon. Je suis qui c'est chef. Je te mets quoi? T'as quoi comme pansement? Est-ce que t'as les tortues ninja encore? Ou un Kars? Ah bah Kars. Hello Kitty ou Kars? Kars, s'il te plaît. Ok. Je te remercie.
Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à ta maman de changer ce soir. Et je pourrais prendre ma douche en même temps? Ah, dans ta douche, il vaut mieux sortir le genou de la douche. D'accord. Pour mouiller demain. Ou le plastifier. Je te remercie beaucoup. Hein. Je suis désolé. Bah, écoute. Oh là 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 là. C'est pas possible. Quelle histoire.